Dans le symbolisme du tapis, le médaillon central, c'est le point le plus important. Et ça peut être considéré comme la fontaine centrale d'un palais ou d'un jardin. J'utilise la bombe, la canette, instrument de la rue, pour faire les ombrages et les dégradés, les ombres et les lumières. Au pinceau, à l'acrylique, je vais faire les détails qui seraient plus sur les yeux, les cils, la bouche, les cheveux. Le tapis, en fait, c'est une symétrie en croix, c'est le même motif qui est dupliqué. Dans un visage, c'est une symétrie aussi verticale. Compiler la symétrie du visage avec la symétrie du tapis, c'est ça qui fait que mathématiquement, une espèce de magie qui s'opère et qui fait fusionner les motifs avec le visage.